nous invitons aujourd'hui Monsieur Marc Mapingu Mitumbi. Bonjour. Bonjour Monsieur Mingwa. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 mars. Il y a deux jours a eu lieu le 41e anniversaire de l'assassinat du président Marien Ngouabi. S'en était suivie une purge au sein des personnalités congolaises et innocentes, une purge faite par le comité militaire du parti. Est-ce que vous avez un mot à ce sujet, en particulier à l'endroit des familles et des Congolais? Écoutez, M. Mingwa, le temps est passé, mais les blessures restent. Je me souviens, j'étais en terminale lorsque Marien Ngouabi meurt, et nous assistons tous impuissants à cette tragédie qui s'en suivra. Le cardinal, Massamba Deba, Kikadidi, enfin, tous les innocents après un procès kafkaïen. Donc, c'est vrai qu'on a une pensée particulière parce que ce sont, en ce qui me concerne, les premiers drames qui ont marqué un peu mon adolescence. J'étais en terminale et j'ai vécu ça avec beaucoup de tristesse, c'est vrai. Et aujourd'hui, je crois que il y a un devoir de mémoire, mais en même temps, il y a une profonde réflexion sur le pays, sur tous ces crimes, parce que, hélas, l'histoire se répète. L'histoire se répète, on a eu ou on continue à avoir des assassinats crapuleux dans un pays qui n'a plus de sécurité, où il n'y a plus de loi, où un clan, une famille fait ce qu'elle veut. Est-ce que ce n'est pas un peu de votre faute quand je dis vous, c'est-à-dire que vous aviez été conférencier donc à la Conférence nationale souveraine, un devoir de mémoire n'a pas suffisamment été fait, comme vous le dites, aujourd'hui les choses se répètent, et comme l'a dit une fois Maître Moïse Mudileno Masengo, que c'est le point de départ de massacres de masse au Congo-Brazzaville, en particulier des innocents. Est-ce que monsieur Marc Mapingu Mitumbi, vous ne vous considérez pas un tout petit peu comme responsable de ce qui se passe aujourd'hui parce que vous aviez été à la conférence nationale sans avoir pris les mesures pour mettre hors d'état de nuire ces différentes personnalités comme M. Sassou Nguesso? Écoutez, on a apporté notre pierre à l'édifice. La conférence nationale était un enjeu important. Je crois que on a réussi quelque chose. C'était quand même affaiblir un système qui était un système de parti unique. Nous avons, d'une manière ou d'une autre, encouragé, on a impulsé cette dynamique qui a apporté le multipartisme au Congo. Ça, c'est le point positif. Maintenant, à l'intérieur, bien sûr, il y a eu des débats. Et l'un des débats qui était important, c'était celui de penser qu'il fallait une déchéance politique pour tous ceux qui avaient fait commis des erreurs, qui avaient tué, qui tout avaient ce qui volé. Était présumé, voilà. Parce que ce n'était pas un tribunal. Voilà, tout ce qui était présumé. Bon, on est arrivé aussi à un stade où vous avez une classe politique où tout le monde est pratiquement mouillé. Et avec cette expression très belle que vous connaissez, lorsque le Christ dit que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre à la pécheresse. Donc on s'est retrouvé là, très embêté, et puis nous voulions aussi réconcilier le pays, et ce n'était pas évident non plus. Vous savez, on était dans un débat très complexe et très 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 difficile, avec des enjeux importants, des enjeux même tribaux à certains moments, et il n'y avait pas une ligne directive qui aurait pu faire que tout le monde soit d'accord sur tous les sujets. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty. Comme vous le savez, Marc Mapingu Mitumbi a été le porte-parole à l'international du général Mokoko. Et hier a été diffusé sur les réseaux sociaux un courrier que le général Mokoko, actuellement en prison, a envoyé au procureur de la République. Vous savez, M. Marc Mapingu Mitumbi, que M. Denis Sassou Nguesso, dont son discours à la Nation avait parlé de procès à venir. En tout cas, il souhaitait que les procès de ces détenus se fassent au premier trimestre de l'année 2018. Comment comprendre que le général Mokoko fasse obstruction à la justice, puisque dans le courrier, il dit ne pas répondre à la convocation du procureur?
Donc, si vous voulez une réaction personnelle, j'ai tout simplement pensé que c'était aussi une forme de provocation. N'oubliez pas que hier, c'était l'anniversaire du général Moukoko. Voilà un monsieur qui est en prison depuis un moment et qui a peur d'ailleurs, et qui, le jour de son anniversaire, veut quand même avoir un moment de réflexion, de méditation sur sa vie, sur son destin. Et puis, c'est ce jour qu'on vient perturber cette méditation en disant, on t'amène voir le procureur ou je ne sais pas qui. Bon, il a donné des raisons qui sont des raisons valables. Bon, il a dit qu'il ne partait pas pour des raisons finalement de non-respect aux règles élémentaires. Bon, ça nous savons que nous vivons dans un État qui respecte pas le droit, qui respecte pas la loi. Et de ce point de vue, bon, il n'est pas parti. Bon, ce matin, je crois que il a répondu, et puis on verra la suite. Quand vous dites qu'il a répondu, c'est-à-dire qu'il s'est présenté. En principe, il devait se présenter à 10 h, il devait partir. D'accord. Alors, dans ce courrier-là, après, là, on est en studio. On va attendre le développement de cette procédure-là. Mais beaucoup ont dit enfin, le général Mokoko se révolte. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Pourquoi le général Mokoko, aujourd'hui, tient à cette posture-là? Je pense que le général Mokoko s'est révolté depuis longtemps. Déjà, vivre la situation qu'il est en train de connaître, il faut être un homme révolté, il faut être un homme debout, il faut être un homme qui se bat, il faut être un homme qui a intégré le principe de l'abbé Grégoire qui disait je suis comme le gravier, on peut me tordre, mais on ne peut pas me briser. Donc voilà, je crois que nous sommes là devant un personnage qui a montré sa capacité de résistance, qu'il était cuirassé, qu'il avait de la personnalité, et devant tout ce qu'on lui a proposé pour courber les chines, il a dit non. Il a dit non au nom de la liberté, il a dit non au nom des principes qui sont chers à tout le monde, à tous les Congolais qui respectent la démocratie. Et de ce point de vue, je crois que le général n'est pas un nouvel homme révolté. C'est un homme libre, combattant la liberté et qui continue à montrer à la face du monde qu'il préfère mourir que de se laisser voler ce qu'il a de plus important, c'est-à-dire son âme. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty, comme tout le monde le sait, on a une relation amicale, hein, c'est-à-dire moi Mingwa et vous Marc Mapingu Mitumbi, Ah, c'est très mais gentil. j'ai l'impression de ne pas bien vous connaître. J'ai l'impression que vous restez pour moi quelqu'un de très secret, je vais m'expliquer. Je suis pratiquement toutes les semaines avec vous et j'étais surpris de voir sur Internet que vous prépariez un coup d'État. Bon, on en a parlé. Là, j'étais encore surpris qu'on parle d'un gouvernement où vous étiez vous président, il y avait toute une liste de ministres et on n'en avait jamais parlé avant. Alors, c'est pour ça que je disais que je suis tous les jours avec vous, mais j'ai en face de moi quelqu'un que je ne connais pas bien. Alors, pour parler de cette fameuse liste où vous êtes président, est-ce que c'est à l'issue encore d'un coup d'État que vous seriez passé président ou c'est quelque chose que vous auriez fait à l'issue d'élections présidentielles, mais à ce que je sache, il n'y a pas du tout d'élection. Qu'en est-il de cette liste, Monsieur Marc Mapingu? Donc d'abord, je ne sais pas. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous y croyez vous-même? Ben, écoutez, comme je vous ai dit, j'ai l'impression de ne plus bien vous connaître. Donc, moi, j'apprends des choses sur vous, sur Internet, et quand vous êtes en face de moi, et surtout pour les téléspectateurs de Congo Liberté, je vous pose la question. Écoutez, vous apprendrez encore 1 000 choses d'un homme public, des mensonges, de tout ce que vous voulez, mais j'ai tout simplement envie de vous dire que j'ai pitié. J'ai pitié des gens qui en fait font la même chose que Sassou Nguesso et le PCT. Nous avons eu dans ce pays des gens qui sont morts parce qu'un matin,
On a accusé ces gens-là de préparer le coup d'État, de fomenter le coup d'État. Nous avons des amis, des frères, des camarades qui sont en prison aujourd'hui pour ces mêmes raisons. Et entre nous, sauf pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un démocrate. Je suis un démocrate et toute ma vie, elle a été façonnée par ce que l'on peut considérer comme l'amour de la démocratie. D'abord, je sors d'une famille où un père a été élu député d'un petit village de Zanaga dans les années 60-59. Et puis, j'ai soutenu Lissouba, un démocrate. J'ai soutenu Mokoko, un démocrate. Donc, mes repères sont des repères de démocrate. Je n'aime pas la violence, ça ne fait pas partie de ma culture. Je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas les mesquineries, ça ne fait pas partie de ma culture. Alors, vous me voyez, moi, écrire à un chef d'État français ou aller voir Macron avec une liste, mais ce qu'ils disent, ils oublient que. Comme vous le dites, c'est pour quel enjeu? Il n'y a pas d'élection aujourd'hui ou demain. Un coup d'État, j'ai quels moyens pour faire un coup d'État? Ben, tout le monde sait que vous êtes un homme de réseau, hein. Oui, mais tout ce qui. On peut être un homme de réseau, mais on peut être aussi un homme qui a des relations. Aujourd'hui, je vous connais, vous êtes un réseau pour moi, un frère, un réseau. On appelle ça ce qu'on voudra. Je ne vous ai jamais parlé de coup d'État. Ça ne m'intéresse pas, tout ça là. Ce que j'ai envie de vous dire, tout simplement, c'est que cette manière de salir les gens, les hommes publics, bon, je laisse ça, ça ne fait pas partie de ma culture. Et d'ailleurs, quand les gens écrivent ça, mais vous allez trop loin, il y en a qui ont même pensé que j'ai vu sur les réseaux sociaux que Marc Mapingu est allé à l'ambassade des États-Unis avec Mafimba ou je ne sais pas qui pour empêcher un compatriote qui, j'en suis sûr, a dû faire du bon travail aux États-Unis, qui l'a empêché d'aller réussir sa mission aux États-Unis. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, pour Est-ce que vous être... trouvez. Non, sincèrement, on va. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous ne trouvez même pas que le fait d'avancer ce type d'énormité, mais desserve même la cause qui est la nôtre, parce que qu'est-ce qui se passe? Nous sommes suivis ici. Mon interview est suivie par les services de renseignement ici. Que pense Mapingu? Que dit Mapingu? Alors, donc, quand tu es un responsable politique, tu as certainement un destin national se met comme ça de façon un peu légère à dire oui, il y a eu des gens qui sont partis, etc. Et qu'on cite mon nom. C'est vrai qu'il y ait des gens, mais que l'on cite mon nom, alors je dis bravo pour l'avenir de ce pays. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberté. Alors, tout le monde n'est pas abonné aux réseaux sociaux. On est en train de parler là, et on va le dire, de bulles puantes hein, qui ont été comme ça lâchées sur Internet entre les partisans de M. Boncadia et vous, M. Marc Mapingu. Mais à ce que je Non, sache, il y avait... je n'ai jamais lancé de boules puantes vis-à-vis de Boukadia. Et je n'ai pas de partisans, de mon point de vue. Je n'ai pas de partisans. Pour avoir des partisans, il faut avoir un parti. Pour avoir des partisans, il faut avoir une association visible avec des hommes qui travaillent et qui passent pour être vos partisans. J'ai des gens que j'aime beaucoup, qui m'aiment aussi, des gens qui me suivent et qui apprécient ce que je fais. Je dis merci. J'ai des gens aussi qui me soutiennent parce qu'ils pensent que nous sommes dans un combat où on a besoin de se soutenir. Mais je n'ai pas commandité ou je n'ai. Je ne vois pas pourquoi je commanditerais quoi que ce soit. Monsieur Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty, là où je voulais en venir, c'est que vous aviez répondu il y a un peu plus d'un mois, hein, sinon un peu plus, on dirait, à une invitation de Monsieur Boukadia. Beaucoup de gens, entre guillemets, étaient un peu surpris de vous voir
participé à cette réunion-là en tant qu'invité, où on a parlé de conférences internationales, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi les partisans de M. Moukadia vous jettent la pierre? Donc d'abord parce qu'ils ne me connaissent pas, et puis ils ne connaissent pas aussi le respect que j'ai pour M. Boukadia. Je n'ai pas connu M. Boukadia aujourd'hui. Nous sommes aux affaires avec Lissouba. Avant de rentrer, oui, nous étions, je ne sais plus, la saison. Et Boukadia organise une rencontre à la Défense. Moi, j'étais collaborateur de Lissouba, en conseiller de Lissouba. Et je peux vous dire que ce n'était pas une rencontre pro-Lissouba. Mais je suis allé parce que je me suis dit, c'est un compatriote qui veut parler et qui a un message à donner. À cette époque, la même époque, tout en étant collaborateur de Lissouba, Jean-Michel Nwokoko avait organisé une rencontre ici. Mais c'était des opposants. Je suis parti écouter. Et dernièrement, quand Boukadia a effectivement demandé, m'a appelé. D'ailleurs, c'est même moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand je vois l'un de ces un frère que nous avons en commun, un certain Charlem, quand je le vois à une manifestation, nous évoquons un peu la situation du Congo, on parle un peu de Boukadia, je lui dis même, écoute, c'est dommage que le frère, depuis qu'il est venu, ne puisse pas rencontrer les Congolais et la diaspora, parce que bon, ce ne serait pas bien. Quelque temps après, Charlem m'appelle, il me dit, ah, mais j'en ai parlé avec le frère, est-ce qu'il t'appelait? Je dis, pas encore. Et quand il m'appelle, je lui redis au téléphone, il me dit, justement, Marc, je vais rencontrer les compatriotes à telle époque. Et nous sommes retrouvés. Et je suis venu, j'ai entendu ce qu'il a dit. Alors, entre autres, ce qu'il a dit, c'est, en tout cas aujourd'hui, il parle beaucoup de conférences internationales, même si les gens savent que celui qui est un peu le précurseur de cette histoire-là, c'est Jean-Luc Maléka. Les gens, en vous voyant dans cette conférence, ont pensé, en tout cas vous allez nous le dire, que vous êtes pour la conférence nationale. Conférence internationale. Qu'en est-il à votre sujet, puisqu'on en parle? Bon, d'abord, je tenais à vous dire que, au-delà de la conférence internationale, nous avons beaucoup de préoccupations. Je suis le porte-parole de Jean-Marie Michel Moukoko. Et aujourd'hui, Jean-Marie Michel Moukoko se prépare à un procès. J'ai cru et je pense que l'un de mes objectifs, c'est de me concentrer sur cette situation. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la conférence internationale, je vais vous dire que lorsqu'il y a eu le congrès des Congolais à l'étranger, lorsqu'on s'est retrouvé avec tous les amis, j'ai contribué, j'ai été là, nous avons travaillé. Et cette notion de conférence internationale est sortie. Nous avons tous apprécié et accepté. Alors, aujourd'hui, je crois que le vrai problème qui se pose, ce n'est pas le problème de Mapingu. Le problème aujourd'hui, c'est de voir tous ceux qui se réclament la paternité de cette conférence, qu'ils s'entendent et qu'ils se disent, bon, voilà, nous allons travailler ensemble. Mais quand vous allez au mouvement de libération du Congo, il y a des porte-paroles qui, eux aussi, organisent leur conférence internationale. Quand vous allez à Nice, il y a aussi d'autres. Bon, je regrette, je suis quand même un homme structuré. J'ai envie de savoir, surtout que j'ai pas le temps pour l'instant, mais j'ai envie de savoir où est-ce qu'on va, pourquoi les gens ne s'entendent pas, pourquoi ils ne s'organisent pas. Et puis entre nous, j'ai aussi été quelquefois embêté, oui, parce que il y a des gens qui m'ont accusé de oui, c'est moi qui tiens, je ne sais pas, la diaspora, ou c'est moi qui empêche les choses de marcher. Bon, on me donne tellement de Je ne savais force. pas que vous aviez tout ce pouvoir-là. Ah oui, on me donne un pouvoir fou, un pouvoir extraordinaire, un pouvoir extraordinaire. Alors ça me fait rappeler quelqu'un. Un jour, j'étais dans un avion avec quelqu'un, et c'était, je crois, Jack Lang.
Et en ouvrant un journal, on parlait de lui, il me dira, écoutez, monsieur, quand vous êtes un homme public, si on ne parle plus de vous, c'est que vous êtes fini. En bien ou en mal, il faut qu'on parle de vous. Marc Bon, donc voilà, Mapimbo-Itumbi. si on parle de moi, ces gens-là me donnent une force extraordinaire, d'abord de résistance, et puis en même temps de détermination à me battre contre la calomnie et l'imbécilité. Marc Mapimbo-Itumbi sur Congo Liberty. On parle aujourd'hui de conférence internationale, mais c'est un vocable qui tout simplement peut vouloir dire un dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'une conférence internationale peut réunir et les opposants et les membres du pouvoir actuel de M. Denis Sassou Nguesso? Donc déjà, le problème, c'est il faut écouter toute. Il faut écouter autour de la conférence nationale, il y a plusieurs réflexions. La conférence internationale, il y a plusieurs réflexions. Il y en a qui pensent que ça sera une occasion de faire partir M. Sassou Nguesso du pouvoir. Bon, j'ai envie de savoir par quelle recette et comment. Parce que ça me paraît un peu utopique. Et d'autres qui pensent que c'est une occasion de rassembler tous les Congolais pour aller à dialoguer avec Sassou et tout ça là. Mais je pense aussi que cette démarche-là, je ne m'associe pas à cette démarche-là, parce qu'on a eu des dialogues internes avec Sassou Nguesso, mais ces dialogues ont plutôt participé à la confrontation au fait que ce pouvoir soit plus conforté. Et voilà, moi, voilà pourquoi je disais que le problème de la conférence internationale, sincèrement, pour l'instant, ne me préoccupe pas. Je suis préoccupé par d'autres démarches, par autre chose, notamment cette question du procès. Si des compatriotes avérés peuvent se retrouver déjà dans un premier temps pour préparer la démarche et tout ça, nous verrons si je dois participer ou pas. Mais ça aussi, je crois que quand on est un politique, on travaille d'abord avec ses équipes, et quand on est bien avancé avec ses équipes, on rassemble tout le monde en disant, voilà où nous en sommes, voilà ce que j'ai fait. Et puis les gens viennent, ceux qui ne veulent pas, ben, ils viendront pas. Et c'est ça aussi la démocratie. Sinon tout le monde serait au PCT aujourd'hui, tout le monde serait dans une démarche aussi. Moi je suis un démocrate, je réaffirme ici mon soutien à toutes les initiatives qui vont vers le sens du rassemblement, de l'unité du pays, et aussi vers le sens du départ de Sassou Nguesso du pouvoir, c'est tout. Alors, le départ de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir, on va en parler. Comme vous le savez, il y a eu l'arrestation du général Davira. On a parlé de coup d'État. Quand on parle de coup d'État, vous allez m'excuser pour l'anecdote. Vous avez vous-même été accusé de fomenter un coup d'État. Est-ce que vous croyez au coup d'État de M. Davira? Et est-ce que vous applaudirez, en tout cas vous encouragerez, toute initiative en ce sens? Et je vais vous dire une chose, monsieur Mingwa. Mon problème, ce n'est pas forcément qu'il y ait un coup d'État ou pas. Mon problème, c'est que nous sommes face à un système où des gens comme les Dabira ont été des principaux animateurs. Et un coup d'État fait par Dabira ou quelqu'un d'autre, ça change quoi au destin du Congo ou à ma vie? Je crois que ce sont des gens qui ont une vision de la politique qui est la leur, qui est une vision tortionnaire, barbare et moyenâgeuse. Et c'est une vision que je ne partage pas. Mais non, Dabira aujourd'hui, qu'il soit dans cette situation qui est une situation difficile humainement, c'est quelqu'un que j'ai dû connaître dans le passé, ça me fait mal de le voir dans cette situation parce que il est en fait. Il est en fait victime d'un système que eux ils ont construit. J'ai pas la mémoire courte.
Donc c'est un système qu'ils ont produit. Nous, notre combat, et mon combat, moi, c'est de combattre ce système-là, avec toutes ces pratiques moyenâgeuses, des gens violents, qui ont assassiné gratuitement d'autres, qui ont emmené des gens dans des fosses communes. Vous connaissez l'histoire des disparus du Beach. Tous vont là-bas répondre un jour. Voilà ce qui m'intéresse et ce qui me préoccupe. Marc Mapigo-Bitumbi, est-ce que l'opposition en exil ou la résistance en exil n'est pas un peu déconnectée de la réalité, en sachant qu'au pays, c'est vrai qu'il y a une crise économique multidimensionnelle, mais les rapports entre les hommes politiques sont assez apaisés. On a vu M. Tsatima Biala, chef de file de l'opposition, nommé par M. Denis Sassou Nguesso, être reçu. Ce que je veux dire par là, c'est que les opposants au Congo, que ce soit Parfait Colela ou Tsatima Biala, ont des rapports cordiaux avec le pouvoir en place. Pourquoi vous n'essayez pas d'entrer dans cette dynamique-là pour essayer de pacifier les rapports entre les hommes politiques au Congo? Vous savez, en politique, cher monsieur, il y a des calculs individuels. Il y a aussi des calculs collectifs. Et entre les calculs collectifs et individuels, permettez-moi de vous dire, souvent on est perdu. Souvent on est perdu. Alors, quel conseil je peux donner aux uns ou aux autres dès lors qu'ils sont sur le terrain, ils savent ce qu'ils font? Ils savent pourquoi ils se compromettent avec M. Sassou d'une manière ou d'une autre. C'est leur problème, c'est pas le mien. C'est ça le problème, c'est pas le mien. Pourquoi vous parlez de compromission? Quelqu'un m'a dit, et je vais un peu faire le porte-parole de cette opinion-là, Marc Mapingu ne soutient pas des hommes issus du sud du pays comme lui. Vous avez Tsatsima Biala qui est un membre de votre famille politique, en tout cas de votre ancienne famille politique que vous ne soutenez pas. Vous avez Parfait Colela que vous ne soutenez pas. Et vous avez Bunkadja que vous ne soutenez pas non plus. Est-ce que vous avez un problème avec les hommes politiques du Sud? Vous préférez soutenir, c'est vrai que c'est un frère pour vous, le général Bokoko, mais... Est-ce que vous pouvez me laisser m'étendre dans ce registre que je trouve un peu pitoyable? Parce que. C'est les questions que les gens se Ah posent. oui, bien sûr, je trouve ça très pitoyable parce que, vous savez, Lissouba était un homme du Sud. Je l'ai soutenu parce que à l'époque, je pensais que c'était l'homme qu'il fallait pour une très bonne transition historique, pour accompagner la démocratie, pour tracer le chemin. Je l'ai fait. Et il y a quelques années, j'ai soutenu Mokoko, qui est un homme du Nord, comme vous le dites, mais qui a des convictions et qui, de mon point de vue, était et reste le seul capable de transcender un peu les clivages que nous avons et essayer de bâtir l'unité nationale. Et c'est un homme intègre. Et je l'ai soutenu. Je vous ai dit ici, d'ailleurs, ça a été mal interprété, j'entends encore d'autres raconter leur vie. Je vous ai dit ici que si mon coco ne se serait pas présenté, je l'ai dit ici, j'aurais pu soutenir Colella. Mais je n'ai jamais demandé à Colella d'être son porte-parole comme je l'entends quelque part. Enfin, les gens me demandent quelle expérience et quel âge. Est-ce que... Mais, attendez, mais, il y a aussi Marc Mapingu et son histoire. Marc Mapingu et son histoire. Alors... Puisque vous parlez du Pôle, la région du Pôle, puisque vous parlez du Sud, est-ce que vous savez seulement que comment Youlou est arrivé au pouvoir? Dites-nous. Mais il a fallu qu'un député, un monsieur Yambo, fasse défection, abandonne Opango et vienne vers Youlou. Et ce député était un très proche de mon père, lequel était déjà proche de Youlou. Et c'est mon père qui demande à Yambo d'aller vers l'abbé Fulbert Youlou. Est-ce que vous savez seulement que
Avant, dans les années 94, je ne sais plus, vous retrouverez, avant que les pays du Nyari et les pays et le Poul puissent se réconcilier après cette guerre fratricide bête qui endeuillait les gens, est-ce que vous savez que M. Basile Mapingu, mon père, est venu de Zanaga pendant que pendant que Bakongo, Makelekele, on avait chassé ce qu'on appelle aujourd'hui tous les Nibolek. Et vice versa de l'autre côté. Mon père est venu, il a cherché à voir Lissouba, il lui a dit, Pascal, tu aurais dû faire autrement pour discuter avec le peuple du Poul. Tu aurais dû m'appeler, j'étais député de Youlou, tu aurais dû appeler ton frère Tekesse qui était député de Youlou. Et Lissouba a laissé mon père. Et ce jour-là, c'est Landry Kolela, c'est Elo Mampouya, c'est Pone Makaya qui viennent nous chercher pour nous rendre à Bakongo. Pendant que personne ne rentrait à Bakongo, on était en pleine guerre. Mon père a parlé avec Kolela pendant 4 heures de temps. Tous les vieux sages, Larry, Dupoul, étaient devant chez Kolela. Et j'y étais. Il y a des témoins. Donc, il faut parler des choses que l'on connaît. Quand on ne connaît pas un certain nombre de choses, il faut... Mais vous n'en parlez pas suffisamment. À qui la oui, faute de là. Mais moi, oui, je découvre. Oui, bon, oui, mais vous pouvez... Je discute avec vous, je le connais un peu. Les témoins vivent. Et c'est à la suite de cette rencontre-là qu'il y a eu réellement la réconciliation entre les députés et ce qu'on appelait cette rencontre entre les députés de Poul et les députés du pays des Nyari. Et ça, cette alliance, je crois que l'histoire la doit à mon père. Bien sûr que par la suite, Kolela a appelé les acteurs, notamment Tamba Tamba. Parce que Kolela me demande ce jour-là, que mon fils, mais qu'est-ce que tu penses de ces communistes-là, les Tamba Tamba, les autres et tout. Je lui dis, aujourd'hui on a besoin de la paix, on a besoin de s'entendre et de se parler. Tamba Tamba a le talent des médiateurs, c'est un homme modéré de mon point de vue, alors ce serait bien quand même d'écouter son appel. Et ça s'est passé comme ça, les témoins existent, j'ai cité des noms qui sont des jeunes acteurs, donc je ne mens pas. Alors quand on a vécu tout ça là, et que quelqu'un comme moi, je viens dans... que des compatriotes que je respecte, ils sont peut-être jeunes, beaucoup ne connaissent pas l'histoire, se mettent à dire, oui, Mapingu, il est dans des théories... tout sauf le Poul, tout sauf le machin, tout. Je dis, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Je dirais tout simplement que si j'avais une théorie, c'était tout sauf les voleurs, tout sauf les assassins, tout sauf les tricheurs, tout sauf les tribalistes. Et Moukoko l'a dit, ça lui a coûté ce que ça lui coûte. Et moi j'ai dit, si demain, un gars de Wesso, un gars de la Likwala est à cette dimension d'être un homme d'État, susceptible de rassembler, d'unir, je serai derrière lui. Si demain un homme du Poul, puisqu'on parle du Poul, est capable de drainer une vision, de rassembler, avoir un discours qui participe, bien sûr, à mes convictions, qui sont des convictions d'hommes de liberté, qui sont des convictions d'hommes de progrès, ce frère du Poul aura mon soutien. Marc Mapingu est tombé sur Congo. Et je peux aller dans la Likwala, je peux aller dans mon propre village, je peux aller partout. On va terminer sur ce volet. Beaucoup disent que Marc Mapingu Mitumbi est un faiseur de roi. Et si l'élection du général Mokoko avait été validée, il serait au pouvoir. Vous avez participé à l'élection du professeur Pascal Issouba. On vous considère donc comme un faiseur de roi.
Mais pourquoi demain vous-même ne pas devenir roi? Écoutez, quand je serai roi, quand j'aurai cette ambition, je vous demanderai de me préparer déjà la couronne. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'ambition. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty. Pour terminer, est-ce que les Congolais ne méritent pas M. Denis Sassou Nguesso quand on voit la désorganisation et puis, on va dire, l'individualisme des Congolais? Vous avez aujourd'hui un jeune syndicaliste, Nelson Apanga, qui, pour défendre les droits des étudiants, se retrouve aujourd'hui et à la maison d'arrêt et à l'hôpital militaire parce qu'il a été torturé. Pour information, l'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville lance un appel aux dons pour soutenir financièrement les soins de santé de Nelson Apanga. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'engouement. Comment comprenez-vous que les Congolais fassent beaucoup de bruit et lorsqu'il faut agir, on ne voit personne? Même lorsqu'il faut contribuer à hauteur de 10 euros, on ne voit personne. Est-ce que il n'y a pas quelque part une certaine irresponsabilité? Et au vu de ça, est-ce que nous ne méritons pas M. Denis Sassou Nguesso? Monsieur Mingwa, sur ce plateau de télévision, vous m'avez demandé, et nous avons ensemble lancé un appel à l'époque pour aider les jeunes enfants du Pôle pour leur entrée scolaire. Je crois que j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai donné ce que je pouvais faire. Tout le temps qu'il y a eu des situations ici, des jeunes Congolais, qui sont des compatriotes, qu'on a emprisonnés après des situations qu'on n'a pas toujours partagées, j'ai amené, porté ma solidarité. Moi-même aujourd'hui, je lance un appel. Et j'ai lancé un appel pour soutenir Jean-Marie Michel Moukoko et les autres prisonniers politiques, comme Salissa, Paulin Makaya et les autres. J'ai demandé aux Congolais en disant, ces frères sont injustement punis, sont injustement emprisonnés, pour montrer notre solidarité, comme dans un village africain. Lorsque quelqu'un, moi je me souviens, quand on était enfant ou ceux qui quittaient le village pour aller en ville, c'est tout le village qui contribuait. L'enfant va au lycée, on donne 1 franc, 2 francs, l'enfant appartient au village. Cette solidarité, malheureusement, nous l'avons plus. Quand il y a des veillées, on cotise. C'est pas que celui qui est mort n'a pas de moyens pour le faire, non. C'est pour montrer cette énergie, rassembler pour mieux l'accompagner. Et j'essaie de faire comprendre, comme vous, ce discours depuis un moment, en disant, mais écoutez, nous avons soutenu mon coco, nous avons soutenu la démocratie, nous avons soutenu des amis, des frères qui sont en prison, les Okombi Salissa et autres. Maintenant qu'ils sont là, peu importe qu'ils soient milliardaires, riches ou à la limite, je m'en fous. Mais donnons tout au moins cette image de solidarité pour montrer à la face du monde que ce sont nos braves combattants qui sont en prison. Alors chacun donne 1 franc, chacun donne 2 francs. Même quand vous posez ce type de problème, de problématique, les Congolais les plus bas, les plus petits, trouvent toujours, ah oui, mais il va prendre ça pour acheter une montre, pour acheter, pour payer son loyer, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on est des gens... Alors, C'est pour ça que je vous pose la question, alors, parce de que ce vous point de avez des vue, gens. vous voyez des problématiques qui sont aujourd'hui importantes. Le jeune Apanga, syndicaliste, syndicaliste, il est en prison. On l'a torturé. Ce monsieur, est-ce que des Congolais se sont dit, bon, ce jeune-là, c'est pour la liberté, pour nos enfants de demain. Peut-être qu'il faudrait cotiser, il faudrait... Mais écoutez, vous êtes initiateur de ce type de démarche. Quand je vous appelle souvent, vous dites la caisse est vide. Mais pourquoi? Parce que les Congolais sont différents quelquefois des Ouest-Africains. Nous ne sommes pas solidaires, mais nous sommes des grands parleurs, des hableurs, des gens mesquins quelquefois. Et D'autant plus des que gens vous allez mesquins m'excuser, quelquefois. Monsieur Marc Mapingu Mitumbi, vous avez des Congolais qui font
de lentilles sassoup primaire toute la journée et sont incapables au final de donner 5 euros ou 10 euros. Et ça, croyez-moi, je suis là dans une colère froide, hein, mais responsable. Et on en appelle à la solidarité et à la prise de conscience de tous les Congolais. Votre mot de la fin, Monsieur Mapingu? C'est toujours difficile de dire un mot de la fin. Moi, j'ai envie de dire à mes frères du Congo, j'ai envie de dire à mes frères de la diaspora que notre union autour des valeurs, c'est ça le plus important, notre union autour des valeurs est une union sacrée, elle est importante. Ceux qui se battent pour la démocratie, ceux qui se battent pour la liberté, doivent comprendre que nous avons un pacte qui est sacré. Et que ce pacte-là, nous n'avons pas besoin ni droit de le détruire avec des petitesses. Et nous n'avons pas non plus droit de le détruire avec la diversion. Nous devons comprendre que notre pays est pris en otage par un homme, par un clan et par sa famille. Ils ont endeuillé tout le monde. Dans chaque famille du Congo, il y a au moins quelqu'un qui dira, on avait tué mon frère à telle époque, sous Sassou Nguesso, ou nous sommes affamés, on ne paye plus de salaire, alors il y a le retraité qui est mort, sous le règne de Sassou Nguesso. Ou bien encore, plus loin, il y a Apanga qui a été torturé, il y a Kalakala torturé, et sans oublier les autres, c'est sous le règne de Sassou Nguesso. La grande question, c'est est-ce que nous allons toujours voir ça, ne fût-ce que pour l'avenir de nos enfants? Des gens comme nous, écoutez, la soixantaine bientôt dépassée, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes là pour encourager aussi les jeunes. Ici, dans la diaspora, il y a des jeunes qui se battent bien. Il y a des associations, les indignés, il y a les Ça suffit, il y a d'autres associations qui sont là, qui font un travail extraordinaire. Et je me dis, bravo, ils ont pris conscience qu'ils appartiennent à un pays formidable et que par rapport à cette prise de conscience, il faut qu'ils participent à l'avenir, au destin de ce pays. On vous remercie, Monsieur Marc Mapingu Bitumbi, et ça va être un plaisir de vous inviter de nouveau sur notre plateau. À très bientôt. Mais à très bientôt et puis bon printemps. Hein, on aura bientôt le bon soleil. On espère, mais le Hein, soleil qu'on souhaite, c'est celui de notre chère Afrique, et notre puis cher Congo. celui du cœur Celui du aussi. Il cœur faut que aussi. le cœur soit toujours ensoleillé et que nous laissions nos mesquineries parce que le Congo, il y a des talents, il y a des gens formidables dans toutes les régions. Et ces gens-là, je crois que Dieu entend leurs prières.